m'appelle Habib Deshraoui, je suis le co-directeur d'Unisson avec Benoît Dassadi. Donc Unisson, une association créée en juillet 2000 qui articule ses actions autour de la musique principalement. Et donc on est au quartier de la Paillade, au nord de Montpellier. J'ai fait des études d'histoire et en même temps j'ai passé parallèlement, je suis passé un BTS en force de vente. Donc après j'ai enseigné le ski parallèlement et surtout je me suis donné à ma vraie passion qui est la musique quoi. Donc parce que j'ai toujours écrit depuis longtemps et voilà et après mais entre l'associatif et la musique donc je trouve que justement Unisson c'est une belle alchimie de je dis de mon parcours personnel comme celui de Ben, mais en tout cas c'est exactement ce qu'on voulait faire parce qu'on est vraiment du cru du milieu associatif et du socioculturel et la musique c'est notre passion, l'engagement associatif et culturel ça a toujours été en nous quoi, à travers notre parcours à chacun. A été créée suite à différents constats, on va dire, de manque de présence, en tout cas de la culture dans le quartier populaire, en tout cas à La Paillade. Et on a voulu créer Unisson pour pallier à un manque cruel d'accès à la culture, en tout genre. Et voilà pourquoi est née Unisson. Donc elle articule ses actions autour de la musique. On a des studios d'enregistrement, on fait beaucoup d'ateliers de pratiques artistiques ici même à Unisson, mais aussi dans les écoles, dans les différents, dans des centres culturels de toute la région. Et on a aussi un dispositif qui s'appelle le Music Social Club, qui est un dispositif d'accompagnement artistique d'artistes justement en voie de professionnalisation. Principalement autour du hip-hop, parce que c'est aussi. On vient du hip-hop quand même à la base, donc on n'oublie pas. Et nous, d'ailleurs, Unisson a été créée vraiment aussi par rapport à ça, c'est que nous, on a eu une carrière qui était relativement acceptable et bien. Habib, je pense que c'est avant tout quelqu'un avec qui il faut travailler pour comprendre que c'est quelqu'un qui est courageux au quotidien, qui est très engagé, très très impliqué dans ce qu'il peut faire. Voilà, c'est quelqu'un qui a du cœur, comme son pays d'origine. En 99, on a commencé à travailler de 99 jusqu'à 2000, jusqu'à à peu près juin 2001, et après on a proposé le projet au président du département, donc qui est aussi l'élu de notre canton, hein, du 9e canton de La Paillade, lui a présenté le projet. Il trouvait le projet extrêmement intéressant. On a dit bon, on nourrit encore un petit peu la réflexion, parce que même nous, il fallait. Et nous, on avait une carrière en parallèle aussi, donc on tournait beaucoup, il fallait un peu de stabilité. D'ailleurs, Unisson était vraiment né là, à ce moment-là, quoi. Et il est arrivé, bien sûr, cette date fatidique du 11 septembre, où le monde arabe n'a plus jamais été le même après cette date-là. Et nous, on avait déjà commencé à essayer de déposer le projet au ministère de la Culture et tout ça, mais le contexte géopolitique ne nous était pas très favorable. Et en même temps, on s'est dit, nous-mêmes, hein, c'est-à-dire qu'on s'est auto-censuré sur ce projet-là. Parce qu'on s'est dit qu'il ne faut pas qu'on croie qu'on a créé Arabesque au suite des événements du 11 septembre 2001. On ne voulait pas que ce soit une espèce de caution morale de ce que ça pouvait être, pas du tout. Nous, on était là pour la découverte des arts du monde arabe, montrer ce que la culture arabe a de plus riche et de plus grand, historique, et moderne et contemporain. Extrêmement positif du Maroc et sincère en tout cas. Je trouve que c'est un pays, j'allais dire, on ne peut que saluer ce que Sa Majesté a fait ces dernières années. Je trouve qu'il a eu même beaucoup d'avance
sur beaucoup de pays arabes. Hein. Il a quand même devancé un petit peu, même s'il y a eu des mouvements de rébellion au Maroc, des manifestations. Mais d'une manière générale, moi j'ai beaucoup, avec Ben et Unisson, donc travaillé sur les actions culturelles. On parlait du projet Au-delà de Gibraltar qu'on avait fait avec les groupes de hip-hop marocains. C'est en 2005 déjà. Je veux dire, le nombre incalculable de festivals, il y a des moyens. Alors, certains critiquent en disant, voilà, on veut montrer qu'il y a des festivals pour cacher. Moi, je suis désolé, quoi. Je veux dire, moi, je vois l'avant et l'après, quoi. Je veux dire, les festivals sont de très grande qualité. Les festivals attirent les gens du monde entier. Ils sont très prestigieux. Il y en a dans toutes les villes. Je veux dire, c'est quand même un signe fort pour la culture, d'abord, et pour la jeunesse. Parce que ces festivals, à qui ils s'adressent principalement? À la jeunesse marocaine. Bien entendu qu'il y a un certain nombre de réformes encore à accompagner, mais on voit que le pays est en ébullition, on voit que le pays avance, on voit les infrastructures, on voit qu'il y a quand même des budgets qui sont dégagés pour les écoles. Il se passe des choses à ce Maroc. La France est d'abord le pays de nature des droits de l'homme. Vraiment, je pense que c'est un très beau pays. Moi, je suis extrêmement. Je ne dis pas fier, hein, mais je suis content de vivre en France. C'est un pays que j'apprécie énormément. Je pense, comme chaque pays, il y a un certain nombre de choses à corriger. Mais non, je sais ce que la France m'a apporté personnellement dans ma vie. Donc moi, voilà, là, il se trouve qu'on est en période d'élection, on est en période d'amalgame, en période... Mais, je choisis de sans négliger l'aspect négatif un petit peu de la France, de voir le côté positif, bien qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à corriger, il y a beaucoup de réformes aussi à apporter, beaucoup de préjugés à casser, et que le combat continue. Le combat, il est perpétuel. La double culture, oui, m'apporte une force, je pense, une clairvoyance sur un certain nombre de choses. Ne pas savoir d'où on vient, ça nous permet vraiment de savoir où on veut aller. J'allais dire, moi j'ai toujours un pied au Maroc et un pied en France, un bout de cœur au Maroc, un bout de cœur en France. Donc non, je pense que c'est une véritable force que d'avoir la double culture, parce qu'on a deux visions différentes et deux visions qui en forment une troisième. C'est-à-dire on crée une nouvelle vision, qui n'est ni la vision marocaine ni la vision française, mais une vision... supplémentaire. Et je pense que c'est un atout incontestable, je pense. Mais après, c'est dur de parler de soi comme ça à la première personne en disant voilà, mais moi en tout cas, j'arrive à faire un certain nombre de différences. Bien sûr que ça a été difficile, mais moi, je vais pas dire oui, j'ai galéré dans ma vie. Non, c'est pas vrai. À chaque fois que j'ai voulu un truc, je me suis battu pour l'obtenir. Que ce soit mes études, un travail, voilà, je refuse de. Voilà. C'est contre ma nature. Je refuse. Je dis, bien sûr que c'est difficile, mais qui a dit que ça allait être facile? Je dis, moi quand à un moment donné, j'ai des doutes comme ça, un petit peu dans ma vie, ou qu'il y a des embûches ou quoi, j'essaie. Hein, en toute modestie, de me mettre dans la peau de ce qu'ont traversé nos parents. Ça, c'était de la difficulté. Nous, franchement, c'est pas. Voilà, il faut pas déconner, quoi. Il faut pas se raconter. Bien sûr que c'est difficile, mais si on commence à dire oui, les gens sont racistes, ils nous. Non, mais tu tapes, tu vas devant, tu as quelque chose à faire, tu le fais, tu sais. Si tant est que je puisse donner un conseil à des plus jeunes, je leur dis. D'abord, de jamais, jamais ne s'éloigner, il faut jamais s'éloigner de leurs rêves personnels et ne jamais négliger l'aspect scolaire. Je trouve que la réussite, elle passe d'abord et avant tout par la réussite professionnelle. La réussite professionnelle passe par une éducation scolaire, donc universitaire. Je veux dire qu'il faut s'accrocher à ça. J'ai un message à faire passer à toute ma famille qui est à Meknès, qui est à Fès, qui est à Casablanca, à Rabat. Assouera, il y en a un paquet, hein, on est une très très grande famille, donc ma famille que je salue, voilà, au fond de mon bureau ici à Montpellier, et voilà, vous me manquez, je pense toujours à vous, Inch'Allah, je vous verrai bientôt.